Du tout le monde et bienvenue sur Stronghold Definitive Edition. Ce soir, nous allons démarrer la troisième mission de la série La Route du Château. C'est la troisième mission de ce scénario, de cette campagne, cette série. Donc là, on se retrouve à Pembroke, qui sera un château du côté du Pays de Galles, hein, sur la côte ouest, donc face à l'Irlande. Donc on va un petit peu si c'est un assaut ou si c'est une défense. Alors, Pembroke, donc c'est un assaut également. Situé sur une péninsule rocheuse entourée par les eaux de la Clédo, le château de Pembroke était à l'origine une forteresse en bois, premier camp normand dans le sud-ouest du Pays de Galles. Le comte de Pembroke, William Marshall, supervisa la construction de la structure en pierre qu'il occupa jusqu'à sa mort en 1219. Grâce aux nombreuses améliorations apportées au fil des ans, le château parvint à repousser les fréquentes attaques galloises, soit tuer le seigneur ennemi ou éliminer tous les ennemis. Alors je vais tout de suite me mettre en vitesse 10, on va reculer. Monseigneur. Vous avez besoin de muscles. Parce que là, je crois qu'on prend déjà le feu. Alors, ok, ça va être compliqué pour tenter un assaut de ce que je vois directement. Donc, je recule tous mes troupes. Ils ont des massifs ou pas aussi? Ouais, ils en ont quelques-uns, effectivement. Oh, il y a du chevalier qui garde ici. Ok, attention à ça. Par là, on peut pas accéder, malheureusement. Quoi? Cours. Nous vous saluons. Pour la gloire! Donc là, les massifs vont commencer à débarquer, ce qui est logique. On a combien de massifs dans ce scénario? On en a 56, ok. On a aussi des tonneliers. Les tonneliers, je vais les garder pour plus tard, tiens. J'ai peut-être une idée là. De toute façon, les seules entrées, ça va être ici. Hein. Oui, patron. À vos ordres. Mouvement. Oui. Comment pouvons-nous vous aider? Prêt à tirer. Marche rapide. Nous sommes prêts. Hein? On y va. Oui. Je vais regrouper mes quelques tonneliers, ça peut servir. Je pense que là on va être pas mal. Là on est hors de portée des tireurs logiquement. Donc les premiers massifs là, vont débarquer, ils vont se prendre un comité d'accueil. Voilà. La première vague de massifs est tombée. La deuxième là, elle va tomber. La troisième est en route. Ok. Mon arc est à votre service. Parfait, donc là le plan maintenant, ils sont où mes... Monseigneur. Attends, j'ai pas d'ingénieur. Ah, j'ai eu peur. Ok, on va faire... Construction de l'artillerie de siège. Je vais déjà faire... Instruction. Emplacement noté. Installation. Alors, je vais enregistrer. Déjà les massifs en moins ça va être facile. Beffroi prêt, sire. Non, je vois juste un truc, attendez. Rien d'important. Hop. Beffroi prêt, sire. C'est une distance assez importante. À vos ordres. Oh là là, ok, les chevaliers sortent là, attention. On va recharger. Je le voyais pas comme ça la sortie. On va les laisser venir alors. Oui. Alors mes chevaliers là. Prenons les chevaux et partons. Vous avez quelque chose à l'esprit? Je vais voir s'ils sortent aussi, tiens. En selle. À cheval. Prenons les chevaux et partons. En selle. À cheval. Ok, il bouge, c'est bien. Prenons les chevaux. On va les faire sortir partons. Comme ça on sera sûr. Il y en a déjà deux de moins, c'est toujours ça de prix. Monseigneur, en selle. À cheval. Ah, on me dit dans l'oreille qu'ils sont bloqués.
Beffroi, prêt, sire. C'est une distance assez importante. Nous avons besoin spécialiste de la massue. Bougez-vous, canaille. Allez, allez. Beffroi, prêt. Les gars, vous pouvez pas monter sur les murs là, vraiment? Oui, patron. Bah. Non, mais attendez, ils peuvent monter sur les murs, Beffroi et nous. Ah non. Ok, ça commence bien. Beffroi, prêt, sire. Hein? Nous sommes spécialistes de la massue. On y va! Bougez-vous, canaille! Allez, allez! Ils sont cuits! Écrasez-les, les gars! Je vais vite foncer par là pour essayer d'ennemis tous les archers possibles. On y va! Et là, on retourne de l'autre côté, on va tout ventiler. C'est chiant quand les trucs ils se mettent pas en place. Oh mon Beffroi, heureusement j'en ai fait un deuxième. Bougez-vous, canaille. Allez, allez, on y va. Bougez-vous, canaille. Allez, allez, on y va. Voilà. Je vais vite éliminer ces archers là, on sera tranquille. Bougez-vous, on recule canaille. Sagement. On se remet au corps de garde ici. Bougez-vous, canaille. Est-ce qu'il peut nous tirer dessus ou pas? Ah, il peut nous tirer dessus. Vous avez ok. Besoin de muscles. Allez, allez. Non, 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 oh. Non, 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 non. Bon. Beffroi, prêt, sire. Oui, patron. On y va. Ils peuvent pas me tirer dessus de là, c'est impossible. Bougez-vous, canaille. Je vais vite faire entrer mes archers là parce que ça devient urgent. J'ai bien fait de faire un deuxième Beffroi de secours. Nous arrivons. Attention. Là mes archers, mes arbitres, je vais le mettre dans cette tour. Et là, on va commencer à nettoyer un peu. Mon arc est à votre service. Encochez les flèches. Recherche de cible. Monseigneur. Départ. Je vais me mettre là en position. On va essayer de les provoquer. Je vais me mettre en route de l'autre côté maintenant, on va essayer de les détruire. Si on peut détruire toute cette section de tireurs, ce serait parfait. Il me reste combien de massiers là? 36, ouais. Ça va être compliqué. Après j'ai les lanciers là qui sont en réserve, effectivement. Mais une fois qu'on aura éliminé les tireurs là, on se mettra bien. Instruction, à vos ordres. Oui. Plus vite que ça! Archer prêt à tirer. Ça y est, on les tient. Dites-nous ce que nous devons faire. Allons-y. Oui, mon Donc seigneur. Là, on peut pas passer là, ok. Mon arc est à votre service. Monseigneur, à vos ordres, sire. J'embarque les piquets avec moi, on sait jamais. Nous sommes à vos ordres, sire. Vous pouvez compter sur nous. Toujours prêt. Qu'est-ce Dites qu'on nous peut faire ce que vous pouvez compter sur nous. Nous partons. Monseigneur, homme à pique, en avant, marche. Ils ne passeront pas.
Juste retirer mes maciers pour être sûr pour éviter un massacre. Allez. Comme ça, on passera. On utilisera les béliers. Un bélier pour percer ce corps de garde. Et ensuite, on se met en route pour aller chercher le dernier. Là. Le seigneur et son... Le gars qui garde ici. J'aime bien quand j'ai des génies. Fera avec. Bien sûr. Oh. Là, je vais pouvoir avancer le reste de mon armée. C'est une distance. Portez son bonhomme. Ils ont eu du dégât effectivement. Je vais vous en servir. Portez armes inaccessibles, sire. Vous avez besoin d'une construction. Un petit bélier là pour frapper. Construction de l'artillerie. Prêt, sire. Bon, lui, il va passer un sale quart d'heure. Hein. Bélier, préparation, monseigneur. Une fois qu'on aura percé avec le bélier, je pense que là, ça va être facile pour nous. J'ai quand même laissé mes unités en armure lourde là. Où allons-nous? Marchez avec dignité. Toujours prêt. Allons-y. Oui, monseigneur. Monseigneur. Il y a 6 paladins. 6 paladins ici, parce que c'est des paladins, on va dire, dans l'idée. Et là, je vais envoyer en premier mes hommes, mes unités en armure lourde pour tanker les flèches, justement. Comme ça, mes unités légères pourront mieux s'encaisser et détruire et tuer le seigneur adverse. Bélier prêt, monseigneur. Bien. Sortez armes. Oh, joli. Prêt, sire. Bravo. Compris. Attention. Joli coup. Monseigneur, je suis à bon ordre. Homme à pique, en avant, marche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas du gâteau. De problème. Portez armes, pique. Allez. Dites-nous ce que nous devons faire, ce sera facile. Quels sont vos ordres? À vos ordres, si les irs sont des ordres. Compris, nous sommes justement en chemin. On y va. Courez, go. Plus vite que ça. En avant, marche. Quoi vous avez besoin? Non, mais qu'est-ce que vous faites là? Oh. Voilà. L'assaut du château de Pembroke est réussi. Bon, 24% de perte, mais il n'était pas évident avec l'entrée. Mais une fois qu'on a le truc, c'est gagné, quoi. C'est passé, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à la prochaine pour la suite du scénario. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.